So good, Major. Check it out, son. It's like this, then, my nigga. Hey, yo. Rich with songs, I catalog not to be touched. My rhyme book, like the book of Pila, like night cuts. My bars slash, a fool trying to spit. They got a life of their own, yeah, they be dying to flip. Their hairs on your spine, stand up, catch goosebumps. It's like a spirit in the room when they move. L'atelier que tu gères sur le audio. Mon atelier, c'est un atelier spécifique pour les cuisses et un peu d'abdos. Donc là-dessus, on réalise des exercices qu'on appelle le burpees. C'est un mouvement fonctionnel pour travailler les cuisses, un petit peu d'explosivité, un peu de résistance, un peu de force. Et aussi, solliciter les abdos. À partir de là, bon, ça monte le cardio très vite aussi. Donc c'est assez complet, après on fait du gainage au niveau des cuisses. Un mouvement complet, c'est souvent en muscu, on va travailler le haut du corps et on oublie les jambes. C'est vrai. Et moi, ma spécialité, c'est les jambes. Donc voilà, ça mon atelier. Très bien. Sinon, au niveau de l'événement d'aujourd'hui, comment tu... Bah, je suis assez surpris parce que bon, je pense qu'on a à peu près 120 personnes. Alors que pour Yuri Joke, on était à peu près 50. Ouais. On a des gens qui viennent de Dunkerque, on a ils sont au moins 15. Oui, j'ai vu là-bas. Ouais. Ouais, donc franchement, super. Ça se développe, une bonne entente, un bon esprit, tous cool. Ouais. Ils ont tous souffert et ils en ont tous voulu encore plus. Donc c'était bien. Ouais. Merci voilà. Kili. Je vous en prie, merci à vous. Deux colonnes. C'est tellement mou qu'on va faire deux colonnes ici. Allez, dépêche. Ah ouais, c'est ici. Deux colonnes. Voilà. Deux colonnes. Ah, c'est mieux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans ton atelier? Alors, l'atelier commando, en fait, on reprend des activités physiques qu'on va retrouver au sein de l'armée. Comme on a pu voir, par exemple, on utilisait un brancard. Ce qu'on va chercher, c'est surtout le côté collectif, en fait. Travailler ensemble, souffrir ensemble. C'est surtout ça que je voulais, moi, mettre en avant. Ouais. Et qu'avec Kizo, on veut aussi développer dans le notre joke. Voilà. L'esprit d'équipe, c'est ça? L'esprit collectif, l'esprit d'équipe, de cohésion, en fait. Voilà. D'accord. Se dépasser ensemble. D'accord. Il y avait des filles, j'ai vu un petit peu comment tu les as trouvées du coup. Bah, les filles, elles ont joué le jeu, hein. Donc à l'armée il n'y a pas de sexe, donc je leur ai dit ça va être la même chose aujourd'hui. Donc elles se sont vraiment pris au jeu, elles se sont données à fond, et donc je pense qu'elles en ressortent grandies aujourd'hui. Hein. Bon bah je te remercie Max. Merci. Allez, on est silence, maintenant on continue, on signe un claquage au sol. Je saute les mains sur la tête. Stop. Au sol, les mains sur la tête. Anaïs et Stéphanie qui vont participer au No Joke Training, surtout à l'atelier commando que vous trouvez là-bas. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette édition du No Joke? C'était intense, mais ça va, c'était bien. Juste, il n'y a pas beaucoup de filles, mais on représente quand même. Ouais, voilà, il en fout bien. Et ça va, vous n'avez pas trop souffert quand même. Si. Les pompes, c'est dur et le dernier atelier aussi. Ouais. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé le plus dur? La force dans les bras. Ouais. Soulever, porter. D'accord. Et au niveau de l'édition là, de cette année, qu'est-ce que vous avez fait là? Non, c'est la première fois, on vient. D'accord. Vous avez connu comment le petit atelier? Parce que moi, je connais Mike en fait. Et après, j'ai vu sur Facebook. Et on a parlé, donc voilà. J'ai décidé de venir et. Fuck that. God damn.
On fait une traction, un remont, on met un coup de pied, la tête à l'idée de ce kangourou, ça rappelle un peu le mouvement du kangourou. Donc on met un coup de pied à son partenaire, après on redescend et on fait ça 5 fois. Et après on continue en faisant le renforcement de l'avant-bras, en se mettant des coups et on se protège. Tu animes un des ateliers qui est l'atelier pompe. D'accord. Pompe abdos. Donc que des pompes, que des abdos, c'est que des pompes, que des abdos, mais il y a des temps de repos bien spécifiques. Il y a un nombre de il y a des formes d'abdos aussi bien spécifiques propres pour le job. Des temps de repos aussi. Des temps de repos très très courts. Ouais. En fait, je fais travailler les pompes sur des sur plusieurs paliers. Donc les temps de repos, c'est des temps de repos de 10 secondes et on pompe sur 20 secondes. D'accord. Et l'objectif, c'est de monter au palier 10, 11, 12, 13 jusqu'au palier 15. Déjà, on arrive au palier 5, on commence déjà à sentir que... Ok, et sinon par rapport à cette édition du No Joke, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, il y a déjà beaucoup plus de monde par rapport à avant, ça fait plaisir. Donc ça commence à prendre une certaine ampleur, tout ça et tout. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir autant de monde passionné par le sport surtout, et de partager notre savoir-faire avec eux. Ok, ben, je te remercie Daniel, à très bientôt. Ça marche, au plaisir. Un, deux, Guénal. Un, deux, trois, quatre, cinq. Les remontes de plus en plus. Trois, quatre, cinq, jusqu'à 100, je crois, parce qu'il y a des gars qui sont malades. Donc déjà, on va se mettre deux par deux, face à face. On va faire déranger 10 personnes à chaque fois. On va s'aligner sur tout le terrain pour qu'on puisse nous contrôler le concours. Maintenant, sachez que bon, il y a... On vous a donné un entraînement collectif. Je vois, j'ai vu des gens qui se sont économisés sur les exercices. Si c'est dans le but de gagner le concours, c'est pas grave, vous pouvez le gagner. La vérité, elle est dedans. Hein ? Y a que toi qui sais si t'as vraiment gagné ce concours, si t'as fait l'exercice comme tout le monde. Donc Bam, t'as participé au No Joke de cet après-midi, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'est sympa, on se donne à fond, c'est un regroupement où on peut rencontrer beaucoup de monde de la discipline de toute la France, donc c'est super intéressant, ouais. Voilà. Et ça nous aide à nous pousser à bout, parce qu'en plus il y a des bons coachs, donc c'est assez ludique, on rigole et on se pousse à bout au niveau physique, donc c'est intéressant. Tu viens de loin toi ou... Non, je suis de la région parisienne en fait, je suis du 92 à Colomb. Allez, descends pas là-bas. Voilà, il est là. Je suis avec Ibrahim et Dan. Donc je voulais juste savoir comment ça s'est passé pour vous le No Joke cet après-midi. Pour moi personnellement, ça s'est bien passé hein. Je me suis donné à fond dans les pompes là. J'ai fini dans les 10 derniers, tranquille. Hein. Faut bien rajouter qu'on n'est pas protéiné, on se pique pas, on fait rien. Que du naturel. Et toi, Ibrahim? D'ailleurs, c'est Kizo qui m'a donné la motivation de continuer. La première fois que je suis arrivé à Grigny, je faisais rien. Et puis, petit à petit, plus je le voyais, plus ça me donnait la motivation de continuer. Ouais. Et au fur et à mesure, je suis venu. L'autre jour, je suis venu. Poulet Push, j'ai pas encore participé, mais je vais participer. Et au fur et à mesure, ça va monter. Et plus je vais le voir, Kizo en train de faire ses trucs, ça va me donner la motivation. Okay. Donc je suis avec des messieurs qui viennent de loin, de Dunkerque. Là on est à Grigny, donc qu'est-ce que vous avez pensé du No Joke Training? Ouais, super, fatigant par contre, très fatigant, ouais. Vous avez fait le concours de pompe? Oui. Et vous avez fini dans les derniers ou? Dans les derniers. D'accord. Dans les derniers. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Très physique, nickel. Ah, franchement c'est ce que j'attendais quoi. D'accord, donc vous reviendrez l'année prochaine. Ouais. La prochaine session. Ah ouais, certain. Ok.
Ok. Ouais. Et vous, les garçons? Alors, on regrette pas le voyage du tout, du tout, du tout. Ah. Le retour va être long, je pense. Très dur, ouais. Très dur. Mais on a prévu deux chauffeurs par voiture, ouais. Donc ça va aller. Bon, bah, ça va alors. J'ai vu tout le monde. Ah non, ouais, monsieur Dunker. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que ça change des entraînements habituels. Donc, c'est sûr que c'est original. Et on développe peut-être plus comme ça qu'autrement. Et puis, il y a un respect mutuel, donc c'est bien. Encore un dernier qui arrive à la rescousse. Alors, vous, voilà, vous avez l'air fatigué. Un petit peu, oui. Ça s'est bien passé. Très bien, ouais, c'est génial. J'espère qu'on va revenir bientôt pour reproduire ça. D'accord. Encore plus entraîné qu'aujourd'hui. Encore plus, ouais. Merci beaucoup, les gens d'Inquiète. Pour l'instant, il n'y a que deux colliers. On a Jérémy Fischer, s'il peut venir aussi. C'est lui qui a remporté le premier. Il a remporté le premier, c'est la survivante. Ensuite, on a Ratana, qui a remporté le deuxième, c'est la survivante. S'il peut venir. Merci aussi aux intervenants. Il faut aussi préciser qu'on a notre invité, Bobo Sacco. Le groupe No Joke avons décidé aussi de le féliciter à notre manière. C'est-à-dire qu'on va aussi lui offrir le collier de la survivante. Ouais, le chevalier. Tout le monde nous donne la force ici. Nous aussi, on est là pour vous donner la force. Maintenant, il va y avoir d'autres projets. Il faut aller sur la page No Joke Training. Je vais organiser un concept qui n'existe pas encore dans le milieu du street work, c'est le Barbell Street Workout. Excusez-moi s'il vous plaît, l'objectif c'est vraiment le rassemblement des pratiquants, uniquement pour passer du bon moment, un moment convivial, mais on parle plus de sport, là on mange, on sache. Allez en face, c'est signé. Donc Corentin, toi, tu as participé à toute la journée du No Joke Training. C'est ça. Comment tu as trouvé ça déjà, l'ambiance? Alors ça représente bien le vrai esprit du street workout, ouais. Qui est de s'entraîner avant s'amuser. Mm-hmm. L'entraînement, le dur, le sang, la douleur, mais aussi l'ambiance collective parce que c'est quelque chose qui regroupe les gens et c'est un bon sport et c'est en extension et il faut le faire partager. Il faut le faire partager et c'est super. D'accord. Et tu as participé au concours de... C'était quoi, les pompes, c'est ça? Survivor, le Survivor. Survivor. La médaille, la récompense. La fameuse. Et t'as fini premier alors? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça va ça. Comment t'as... Bah en fait, je réalise pas encore en fait. C'est vraiment... Moi je suis venu ici avec ma team, mon équipe, les soldats du Quai, qui représentent le street workout à Lyon avec d'autres équipes. Laetitia, tu fais partie de l'organisation du No Joke. Comment tu as appréhendé cette journée et comment ça s'est vraiment passé? Ben, comment ça s'est passé? Ça s'est très très bien passé. On a vu ça. Moi, je fais de la prévention de la délinquance. Et en gros, Kizo m'a demandé de travailler en partenariat avec lui sur son asso No Joke. Pour la simple bonne raison qu'on s'est dit qu'il fallait éduquer nos gamins. Et le sport, c'est une bonne méthode pour leur apprendre le respect, les règles. Et tout. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui. Mon Kizo, l'instigateur du No Joke Training, on se retrouve ici à Grigny. Comment ça s'est passé alors cet après-midi? Donc, je suis très content, il y a eu des gens de Lyon, de Dunker, d'un peu partout. Là, je suis la sortie. Je ne peux qu'être content. D'ailleurs, le gagnant là, des pompes, c'est un Lyonnais. Hein. C'est un Lyonnais. Il a un peu détrôné. Le Parisien. Voilà. Ah. Voilà. Mais bon, il y a un bon esprit. Je vois que les t-shirts, là, ils ont bien marché. Tout le monde a les t-shirts No Joke. Donc, c'est bilan positif alors. Bilan positif. Good major.